La réalité n'existe pas. Nos sens nous trompent. Et quand par chance, on arrive à se mettre d'accord sur ce qu'on voit avec quelqu'un, on l'interprète pas de la même manière. En fait, ce qui compte, c'est pas la réalité en tant que telle, c'est l'interprétation qu'on en fait. Et tu vois, si je te demande de décrire et de dessiner ce que tu vois quand je te montre ce gobelet, bah tu vas peut-être me dessiner un cône, alors que si je t'avais montré le gobelet comme ça, tu m'aurais dessiné un cercle. Pourtant, on parle bien du même objet. On a tous les deux une vision différente et une interprétation de cette réalité différente. Pourtant, la réalité est la même. Donc en fait, on a tous les deux raison. On a juste des angles de vue différents, des points de vue différents et des interprétations qui sont différentes. Donc j'ai envie de dire que, au lieu d'essayer de parler plus fort que tout le monde pour faire entendre raison, prenons le temps d'écouter vraiment ce que la personne est en train de nous décrire et mettons-nous à sa place à travers ses yeux pour comprendre l'interprétation qu'il a de la réalité. T'es d'accord qu'en mettant un peu plus de cette ouverture d'esprit dans nos vies, les relations iraient bien mieux, non?